Ce que j'aime bien, c'est que leur force militaire est équivalente à la nôtre. Je suis heureux de l'apprendre. Chercher un Galice? Je suis enceinte. Cool. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? De l'entraînement pour un de martialité en plus, je prends. Non, on n'est pas intéressé par lire l'avenir. Un feu dans la forêt. Vous avez obtenu le trait blessé. Je ne suis plus blessé. J'ai toujours pas un commandant de la garde d'Ibiza, je suis démonté. Il y a deux châteaux, il y a là et il y a là. Il y a tant de monde que ça en face? Va falloir qu'on attrape les armées adverses là. Mais il y a quoi? Ça j'ai. Ouais, j'attrape ça. Apparemment. Deuxième fils. Il lui faudra un petit nom, s'il vous plaît. Il nous faudra un nom, s'il vous plaît. C'est un nom de DJ, ça, Nano? Pas le série? DJ espagnol.
J'ai perdu ma bataille? Apparemment. Attendez, j'étais en train de faire quoi moi? Si, j'avais vu ça. Promouvoir la culture. Ça, c'est Lombard. Ah! Croisade. Alors attendez, attendez, attendez. Contre qui la croisade? Royaume sacré de Romagne. Alors le royaume sacré de Romagne, c'est virer le pape de ses terres. Mais est-ce qu'on se sent suffisamment puissant pour virer le pape de ses terres? Je sais pas. Toute façon, il faut déjà piquer Saint-Jacques de Compostelle. Ah, épée des plaines. Ferdinand. Ferdinand, 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 Ferdinand. Ouais, mais le négatif là, c'est risible. On peut vassaliser le comte Béranger. Qui est ici. Mon pays est à distance du vôtre. D'accord. Il faudrait juste que je les poutre encore un petit peu. Ah non, je suis à 50% de guerre max en bataille, donc ça charge rien. Regarde, les profits de guerre déjà, et je suis bien, donc... Alors après, c'est quel royaume d'Anbia? Pourquoi il m'aime pas, lui? Ah, je suis encore un tyran. C'est pas juste, ça.
Ah mince, attends, faut que je mette, faut que je change le nom de mon fils. Non, tata. Pardonnez-moi, mon fils! On avait dit DJ Nano. Bon, 4 mois, 2 mois. Ils prennent un truc à l'autre bout du monde, je m'en fous un peu. 30 jours, quand même. C'est quand la croisade? Dans 9 mois, faut que je termine la guerre vite. Juste parce que j'ai plus de bouffe. Putain, ça fait chier. Envoyer l'enfant à l'université. Est-ce que je pourrais avoir... Ok. Un festin, ouais. Problème, c'est que je vais. Bon, pour l'instant, j'occupe eux, donc c'est sympa, mais. Ça me fait un peu chier. Truc, c'est que j'aimerais que mon armée. Est-ce que je pourrais avoir de la bouffe en fait? Et merde. Allez, dégagez de là! Bande de cons. Pire, c'est que moi, j'ai pas de bouffe, mais eux, ils en ont encore moins que moi, mais ça leur va, quoi. Ouais, vas-y.
Allez! Ah, bordel, ça bouge pas, c'est chiant. Ah, ça veut vraiment pas passer, c'est fou ça. Paix blanche, maintenant il veut plus. Pourquoi? Ah oui, d'accord, il a. Ok. Pourquoi ça passe pas cette connerie? Croisade pour la Hongrie. Ah oui, d'accord, je me fais attaquer pour la Hongrie aussi. Oh. Ouais, est-ce qu'on est vraiment à ça près? Alors, par contre, mais en fait, j'arrive pas à me défaire de ces zones-là de merde. En fait, je lui demande des trucs, mais lui, il a pas l'air de vouloir. Ok, on va clore le festin. On va doubler les armées, parce qu'à un moment, ça... qu'est-ce que j'ai? Alors. Problème, c'est qu'en fait, j'arrive, j'ai plus de bouffe, j'ai plus rien. Ce qui est un peu casse-couille, hein, l'avoue. Je suis malade. Alors là j'ai quoi? J'ai pas assez de troupes. Et là ils ont encore 15 000 troupes. Pourquoi j'ai pas ça moi? Elles sont mes troupes. Et à 19 000 contre là, alors que je suis en montagne, je vais être considéré comme étant perdant.
Ah, mais comment ça se fait qu'en étant en montagne? Comment ils arrivent à me défoncer comme ça? Bon, bah 100% de perte, génial. J'ai rien compris. En étant mieux que l'adversaire, plus nombreux, je me fais quand même poutrer la gueule. Je suis étonné. Il y a des fois, faut comprendre, hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, GG à l'équité, hein, oui, il a bien joué. Mais ils sont combien? 169 000 contre 163 000, ouais, bah. On va faire ça, hein. Parce qu'il va falloir la croisade. Et dans quand? Dans 38 jours. Alors, je crois pas que la croisade défensive exige un artefact. Ils me font chier à exiger des choses. Activité. Grand mariage coûte moins cher. Parcours chemin sacré. Gain d'expérience de pèlerin, de voyageur, ça m'arrangerait, mais c'est pas ce que je veux pour l'instant. Érudition. On pourrait essayer de d'aller là. Mais bon. Ça lèvera ce que ça lèvera. Alors, croisade a échoué.
Il a abandonné la croisade. Non, pas plus que ça, mais c'est le bordel, oui. Ça, par contre, je confirme. Aversion pour la joie. On trouvera à se manger, c'est pas un souci. Commandant de la garde d'Ibiza, bah enfin! Mais ce que je comprends pas par contre, c'est qu'on a quand même du score de guerre, mais on n'a pas de score de bataille. Et là, on est à quoi? 164 000 contre 62 000. Ah, ils sont en train de prendre Rome en plus, hein, Bourgmestre, bourgmestre. Et donc il faut mettre le bourgmestre, il faut forcer le bourgmestre. Alors, bourgmestre, bourgmestre, bourgmestre. Pereramon, faut un bon mess sans chier, forcé. Voilà. Ça, c'est mon fils héritier. Non, alors gourmand, je suis pas fan. Paresseux, encore moins. Compatissant, surtout pas. Bah, reste gourmand. Ah, ils sont en train de prendre Rome, hein. Je sais pas ce que ça va donner s'ils prennent Rome. Bah rien. Ils ont pas capturé le pape. Donc malheureusement rien de bien glorieux.
Moi, j'essaie juste de pas perdre trop d'hommes sur la route. Je passe par là. Oh, on m'appelle la bienveillante, ça. Ça pourrait être pire comme surnom. Je suis à quoi en termes de participation? Je suis deuxième. Ah bah alors là, ouais, là ça va faire mal là. Et pendant ce temps-là, les autres se tabassent joyeusement. Ah, je suis quand même premier, hein, pour ce long, sans prendre de risques. Oh, ils se font défoncer la gueule. Et de toute façon, là, même actuellement, ils ont... Ah oui, si, quand même, moins 143 de batailles perdues. Ah, quand même.